Bugalski a prouvé qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs. Auteur de plusieurs temps scratch, Bugalski a occupé la première place du classement, le temps de deux spéciales. Malheureusement pour lui, il devait abandonner dans la 11e. Tout comme Bugalski, Yves Loubet a connu des problèmes mécaniques. Dès la première spéciale, il perd 11 minutes et toute chance de victoire. La victoire, elle revient finalement à Bernard Béguin. Une première place sous forme de récompense, déjà assuré du titre de champion de France, Béguin remporte à Toulon son 5e succès de la saison. Une victoire sans appel, à l'arrivée, 5 minutes et 48 secondes séparent Béguin du 2e, Jean Ragnotti. En 3e place du rallye du Var, Alain et Sylvie Oreille sur Renault Clio 16S à 7 minutes 35 secondes de Bernard Béguin. Au classement final du championnat de France des rallyes, premier Bernard Béguin sur Ford Sierra 4x4 avec 148 points, deuxième Yves Loubet sur Lancia Delta avec 109, troisième Jean Ragnotti sur Renault Clio 16S avec 79, quatrième Jean-Hugues Hasard sur Ford Sierra 4x4 avec 66 points, cinquième Philippe Bugalski sur Renault Clio 16S avec 48 points.